Région tropicale de l'exoplanète Terre, année 90350. L'héliconia iguana, être ovipare, mi-animal et végétal, fait partie des espèces qui ont su s'adapter à un climat devenu complexe. Cette créature tire son nom de la plante géante Heliconus, fruit de l'arbre Heliconicus. La stratégie adaptative de cette espèce est le mimétisme par homochromie, copie des couleurs, et homotypie, copie des formes. Les modifications évolutives et la sélection naturelle ont permis la naissance puis le maintien de ce génotype très adapté à son environnement. Son immobilisme associé à son camouflage lui confère un mode de prédation efficace et peu coûteux en énergie. La queue de cet hybride imite les grappes de fruits suspendues de l'arbre. Nous avons découvert que l'Heliconia iguana protégeait aussi les graines situées au sommet de l'arbre. D'après nos récentes recherches, ces faux fruits, haut perchés, contiendraient les œufs-graines de bébés Heliconia iguana.